Dégage de là, toi! Hey, salut les gens, c'est Sensu et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Rise Your Kingdom pour notre série suivie de mapmaking. Et alors, comme la dernière fois on avait fait la construction de la porte que vous voyez derrière moi, aujourd'hui on se consacre à un épisode destiné au command block. Et toujours sur cette même porte, hop, on va revenir par là. Cette fois-ci, ça va être... Je vais remettre l'interface, voilà. Cette fois-ci, ça va être plutôt destiné à l'animation des différents éléments de la porte. Alors, vous vous doutez bien, comme vous avez pu voir dans la vidéo d'intro, on a un pont-levis, une ARC, une porte, et donc là, cet épisode va être dédié à cette animation-là. Donc, sans plus attendre, je vais vous faire une petite démo. Donc, comme vous pouvez voir ici, on a les éléments qui vont nous permettre d'activer le pont-levis. Là, la porte qui n'a pas besoin de treuil, hein, parce qu'ici on a un treuil pour le pont-levis. La porte, en théorie, d'un point de vue RP, il n'y a pas besoin de treuil pour actionner une porte. Donc c'est ici que ça se passe. Et pareil pour la herse. On a un treuil, donc voilà, on viendra ici pour activer la herse. Donc comme vous pouvez le voir, devant ces petits treuils, au-dessus, on a juste un petit texte qui nous explique appuyer ici pour utiliser. Donc ici, en gros, ça veut dire dans cette zone-là, si je viens pour taper dessus, donc avec un clic gauche, ça active le pont-levis et il se ferme. Voilà. Sachant que là, après, ici, on peut plus passer. Et si je veux le réouvrir, la même chose, je reviens taper et là, ça s'ouvre. Voilà, donc là on n'a plus qu'à passer. Je peux vous montrer la même chose du coup sur la porte. Pareil, donc on va se mettre ici, puisque c'est plutôt de ce côté-là où on aura tendance à fermer la porte. Puisque c'est les défenseurs qui vont avoir besoin de fermer la porte. Si je me mets de l'autre côté, ça ne marche pas. Par contre, si je me mets à l'intérieur de l'enceinte, voilà, là je ferme la porte. Et là, la porte est fermée. Avec un petit bruit de porte. Je peux faire la même chose pour la rouvrir. Et voilà. Donc là, la porte est ouverte. Et vous voyez, elle redevient physique. Et le dernier point sur la herse. Même principe. Je l'actionne et elle va descendre jusqu'en bas. Encore une fois, avec un petit son sympa de fermeture de herse. Et donc là, ouais, si je veux venir ici, ça ne passe plus. On a la herse physique qui est apparue. Je la remonte. Et là, vous avez toute la démo de ce que j'ai fait pour ces trois éléments de porte. Sachant que, petit aspect sympa, c'est que j'ai mis en place un système, en fait, qui va nous permettre de pouvoir, en gros, si on veut spammer le clic, on peut, ça fera rien de particulier, mis à part qu'on peut décider de feinter l'ouverture ou la fermeture de la porte. Du coup, on peut voir là, si je commence à fermer, je peux dire, oh ben non, je vais ouvrir, oh ben non, je referme, oh ben non, je réouvre. Et c'est complètement géré comme il faut, il n'y a pas de problème là-dessus. Si je veux gérer aussi le pont-levis, je vais dire, non, tu restes en bas. Et là, il n'y a pas de problème. Et ça marche aussi dans les deux sens. Hein. C'est-à-dire que si j'attends qu'il soit bien fermé, voilà, je veux le rouvrir. Mais je lui dis, non, en fait, tu restes fermé. Voilà, donc ça c'est un truc hyper fun que je trouve, et qui est pas compliqué à mettre en place du tout.
Sinon, il y a un dernier petit truc que je pourrais vous dire aussi, c'est le fait que actuellement, il faut qu'on soit à une certaine distance, donc du coup pour actionner bien entendu le bouton. C'est-à-dire que voilà, là, à partir d'ici, je peux actionner le bouton. Et aussi, il y a un petit truc important, c'est-à-dire que si j'arrive, admettons, j'ai mon épée en main, voilà, étant donné qu'il faut faire un clic droit pour activer tous ces éléments, si j'ai un objet en main, ben ça marche pas. Il faut que j'ai les mains libres pour pouvoir actionner les différents objets. Alors que là, vous voyez, si je change, je reviens, et là ça marche. Si je veux l'arrêter, ça marche pas. C'est un petit truc que je trouvais important pour le côté RP, à savoir si on veut actionner un treuil ou n'importe quel autre élément, enfin voilà, pousser une porte à rigueur, on pourrait même avec une épée en main, mais enfin un treuil, clairement, il faut qu'on ait les mains libres pour pouvoir l'actionner quand même. Voilà, donc là je vais rouvrir tout ça. Ok, donc là maintenant nous allons passer à une petite partie d'explication. Qui va être assez rapide parce que même s'il y a plein de commandes blocs, en fait ces grandes lignes là c'est juste pour gérer les animations, donc c'est j'en explique un, je vous en explique un seul et après c'est de la répétition pour tous les autres. Pour mieux se rendre compte de la façon dont sont gérées les choses ici, je vais vous le montrer via le net, via le game mode spectateur, voilà. Alors, comme vous pouvez voir, en spectateur, on voit un peu plus les choses. Alors ici, on se rend compte que, oh, bah tiens, il y a une petite chauve-souris qui vole. Et donc, en fait, l'écriture, c'est ni plus ni moins qu'un armor stand avec un nom au-dessus de lui. Et pour gérer le bouton here, en fait, on a interposé, juste à ces coordonnées-là, une petite chauve-souris invisible, qui est même invincible et tout ce qui va avec, qu'on a appelée, elle, door, parce que ici c'est la porte forcément. Donc vous constaterez en toute logique que celle qui est ici s'appelle drawbridge puisque c'est le pont-levis. Avec le même système, hein, là on a toujours vous voyez le petit bout là, voilà, de l'armor stand qui dépasse. Et ici celle-ci s'appelle portcullis iron puisque donc c'est la herse en fer. Je précise fer puisque dans l'arbre de technologie, si vous revenez un petit peu à l'explication que je vous avais fait sur l'épisode 1, la herse pourrait être aussi en bois en début de partie. Donc c'est pour ça que je précise bien que celle-ci est en fer. Sachant que celle en bois sera le même principe. Donc vous voyez comment sont gérés les boutons en fait d'activation. Et donc le fait de taper en fait avec le clic gauche, c'est juste qu'on va inscrire des dégâts à la chauve-souris. C'est-à-dire que même si on pourra pas la tuer, parce que j'ai pas mis invincible, parce que sinon on pourra pas lui donner de dégâts, je l'ai juste mise avec un nombre de vies de malade et qui se régénère quoi qu'il arrive. Ce qui fait qu'en fait la chauve-souris est invincible. Et donc quand on va taper dessus, on va lui faire perdre des vies et ça va nous inscrire dans nos statistiques de joueurs le fait d'avoir donné des dommages à un objet. Et c'est le fait d'avoir donné des dommages à un objet qui va permettre de faire le déclenchement de l'animation en fait. Et donc l'animation se gère donc de chaque côté avec là si on prend l'exemple des portes, donc quand c'est fermé ou ouvert, on a quand même des vrais blocs. Mais pour gérer l'animation, en fait, on a là encore deux armor stands qu'on ne verra pas ici. Je sais pas pourquoi on les voit pas. Enfin, normalement, ils sont dedans. Au niveau des points de pivot. Et j'ai modifié des blocs. L'apparence de blocs qu'on ne pourra pas utiliser sur cette map, à savoir, je sais pas, il y avait le bloc d'éponge, il y avait tout ce qui est bloc du Nether ou de l'End, tout ça, on les verra pas puisqu'on n'aura pas l'occasion d'y aller sur cette map. Ce qui fait que je peux me permettre de les modifier en leur donnant directement l'apparence ici d'une porte, donc c'est deux fois la même porte, d'une grille et là pour le... Ah ben là on voit bien l'Armor Stand en fait qui gère celle-ci là, elle gère le contrepoids. Parce qu'elle a le contrepoids au niveau de la tête qui est ici. Je vais remettre la... Ah oui, non, je suis en spectateur, voilà pourquoi j'ai plus de cible. Voilà, donc
le contrepoids qu'il y a au niveau de sa tête, mais vu que c'est un énorme bloc avec un scale de malade, en fait, il fait toute cette grandeur-là. Ici, on en a un autre pour le pont-levis directement, qui est là, mais on ne le voit pas. Et pour les chaînes, on le voit, c'est ici. Voilà, on voit qu'il y a un armor stand qui est caché dedans. Il y en a un autre aussi de l'autre côté. Un armor stand, en fait, par chaîne. Pour la herse, il est à ce niveau-là. Je l'ai fait à ce niveau-là parce qu'en fait, le problème, c'est que quand on met des blocs, parce que là, en l'occurrence, les blocs que j'ai mis, j'ai changé l'apparence, certes, mais quand on met les blocs au niveau de la tête, du coup, pour qu'ils apparaissent bien et pour en plus faciliter la gestion de rotation sur la tête des armor stands, c'est nickel. Mais le problème, c'est que quand on voit plus l'armor stand dans notre champ de vision, donc là, vous allez pouvoir le voir, parce qu'on l'a ici, hein, la tête, elle est ici. Et si je me déplace sur le côté, vous allez voir, vous voyez, la grille disparaît. Bon, j'ai quand même la grille physique qui est derrière, mais le problème est là en fait, c'est que j'étais obligé de rajouter ce système de blocs physiques, puisque justement quand on perd du regard l'armor stand, le bloc qui est sur sa tête disparaît. Et donc bon, autant pour la grille, c'est pas si compliqué que ça, c'est pas un si gros problème. Et du style pour le contrepoids, étant donné que l'armor stand est ici, quand on marche, voilà, là j'ai plus l'armor stand en visu. Et en fait, ça nous ferait disparaître le contrepoids, ou ici l'armor stand qui est ici, ça ferait disparaître le pont-levis dès qu'on est dessus en fait. C'est-à-dire que là, on le voit plus l'armor stand, donc ça nous ferait disparaître le pont-levis et on aurait l'impression de marcher dans le vide. Donc c'est pour ça que j'étais obligé de rajouter les blocs physiques. Et après, de toute façon, c'est pas plus mal de rajouter les blocs physiques puisque il faut prévoir le fait à la rigueur que ce soit destructible derrière. Donc ça, c'était une contrainte, mais qui en fait est vachement intéressante. Il y a juste pour les treuils où je me suis pas embêté à refaire le bloc physique derrière, c'est-à-dire que là, si je décale, on verra plus l'armor stand au bout d'un moment. Voilà. Là, on voit plus l'armor stand, donc le treuil disparaît, parce que l'armor stand, en fait, il est ici. Je sais pas si on le voit. Si on voit les pieds, voilà. Il est à ce niveau-là. Il baisse la tête, parce que le treuil est posé en fait au sommet de sa tête, donc là il est en train de regarder le sol, l'armor stand, et comme ça j'ai plus qu'à lui faire tourner la tête à droite ou à gauche pour faire la rotation du treuil. Et donc voilà comment ça se passe d'un point de vue pur matériel. Et donc là je vais vous expliquer maintenant comment ça se passe au niveau des command blocks. On a un maximum de command blocks ici qui font peur, ils ont des couleurs rouges et vertes. En fait, ça, c'est ni plus ni moins que l'animation. Non, reste en l'air. C'est ni plus ni moins que l'animation qui sera lue pour l'ouverture ou la fermeture des différents éléments. À savoir que, comment vous montrer ça sans tout casser? En fait, à l'intérieur, oui, voilà, là, on voit bien. À l'intérieur, vous voyez, il y a toujours une longueur qui est vide. Et on va faire circuler, un bloc de redstone, en fait. Qui va, quand on prend ces blocs-là, ce sera toujours à peu près les mêmes à chaque fois. Ici, on voit qu'on va placer un bloc de redstone au bloc, donc si c'est cette commande qui le fait, ça va le placer sur le bloc ici. Sauf que ce bloc qui est là où je me trouve actuellement ne sera plus utile, c'est pour ça que au-dessus, le bloc de redstone, quand il apparaît, va dire à ce commande bloc-là, fais disparaître le bloc qui est en dessous, en l'occurrence le bloc de redstone, par de l'air. Ce qui fait qu'en fait, le bloc de redstone va rester vraiment un dixième de seconde, un tick en fait. Il va rester un tick uniquement ici. Avant que, histoire d'activer celui-là pour positionner un autre bloc de redstone à côté. Et ainsi de suite, en fait, il va faire tout le chemin jusqu'au bout. Et c'est pour ça qu'on a des grandes longueurs, c'est-à-dire que, en faisant ce chemin de command block, on va pouvoir activer très rapidement toute une succession de command blocks. Et là, en l'occurrence, devant, à chaque fois, on a, quand on regarde ici, on a l'animation qu'on va porter à nos objets. Donc ici, on peut voir que ça, c'est le treuil de la herse. Et donc c'est l'armor stand, hein, on voit bien. On va changer l'entity data de l'armor stand du treuil de la herse en lui disant de positionner sa tête sur un angle de 90 degrés.
Et donc, le trail, hein, c'est l'élément qui tourne, bien sûr, à devant. Ce qui fait que là, il est à 90. Et quand le bloc de redstone va l'activer ici, là, on va lui mettre. Ah oui, donc là, il était 90 d'office, mais en fait, il était à 0 à l'autre à côté. Enfin, je vous remontre. Pardon, excusez-moi. Là, il était à 0. Là, il passe à 10, ce qui fait qu'il a sa tête a tourné de 10 degrés. Là, il passe à 20. Et je fais un pas de 10 en fait pour que le treuil avance assez vite comparé au reste de. Si on prend le pont-levis ou la porte, il faut que ça, le déplacement du treuil soit beaucoup plus rapide puisque forcément le treuil se déplace beaucoup plus vite. Et c'est pour ça notamment que si on regarde ici, le treuil est beaucoup plus court ici puisque ça c'est le treuil de la herse. La herse met beaucoup moins de temps en fait à s'ouvrir et tout ça puisque plutôt qu'une rotation ici, on a juste un déplacement. Donc c'est tout le temps un déplacement de 0,1. Donc là, ça c'est pas si compliqué à mettre en place. Hein. C'est une duplication de tous ces blocs-là, c'est les mêmes. Hein. C'est juste que l'air se déplace de 0,1 à chaque fois. Par contre, là où c'est plus délicat, c'est quand on prend, admettons, voilà, là ici on a la porte. Et là, la porte, on voit que on va modifier le degré de rotation. Donc ici on a 56, ici on a 57, ici on a 58. Donc voilà, on a chaque degré à chaque fois. Qui va faire que la porte tourne, en fait on a 90 degrés de rotation, puisque la porte fait un angle de 90 degrés. Et donc vous vous doutez bien que la longueur de commande bloc ici fait 90 blocs. C'est la logique, hein, je suis obligé pour pouvoir décomposer le mouvement comme il faut. Et vu qu'en général la rotation est tout le temps de 90, puisque même le pont-levis lui va se lever de 90, le contrepoids va tourner de 90, et forcément le déplacement de la chaîne, qui est du coup la liste de commandes blocs la plus délicate à mettre en place, lui ne va pas faire de rotation, il va uniquement se déplacer, parce qu'il doit tout le temps rester à la verticale, puisque c'est la gravité, la chaîne va rester tendue. Et là, pour le coup, je suis obligé de modifier tout le temps, en fait, cette ligne de commandes blocs a pris un temps pas possible, parce que j'ai dû vérifier les positions exactes. Par contre, là, je modifie les deux chaînes en même temps, c'est pour ça que j'ai ces mesures qui sont les mesures de, qui sont en, je sais plus du coup lesquelles c'est. C'est sur l'angle, voilà, quand on regarde là sur les angles que j'ai sur ma sélection. Pour pas m'embêter à faire deux fois le travail, en fait, j'ai pris l'axe vert et bleu, sans modifier l'axe rouge, puisque l'axe rouge, en fait, il n'y a pas de déplacement sur l'axe rouge. Ce qui fait que je peux modifier les coordonnées des deux en même temps, sachant qu'elles resteront tout le temps à égale distance l'une de l'autre. C'est pour ça qu'à chaque fois, sur le premier bloc, donc comme je vous ai montré là, sur le premier bloc, ça reste toujours sa position actuelle. Comme ça, quelle que soit la chaîne, celle de droite ou de gauche, on s'en fiche. Par contre, elle va monter à ces coordonnées-là et elle va se décaler en profondeur de ces coordonnées-là. Et donc là, à chaque fois, faut que j'ai dû faire le test et le positionner manuellement à chaque fois pour avoir un arc de cercle à peu près qui fonctionne. Donc voilà l'intérêt en fait de toutes ces longueurs de command block. Et ici, on a trois blocs qui sont l'animation d'ouverture, l'animation de fermeture. Et ici, en fait, c'est l'animation comment dire, l'animation principale, à savoir que ici tout ce bloc rouge là en fait c'est ni plus ni moins qu'un clone de celui-là. Et on va se rendre compte que si je ferme la porte, ce sera plus facile, c'est plus près. Tac, on va fermer la porte. Fermer la porte. Vous allez voir qu'ici les blocs rouges vont devenir verts. Attention, tac, voilà. C'est-à-dire que la porte s'est fermée, donc elle est prête à être réouverte. Donc on a dupliqué les deux blocs verts, puisque ça c'est les deux portes, hein, porte droite et porte de gauche. Et donc elles sont prêtes à lire l'animation. J'ai fait ce système-là justement pour pouvoir faire le système de spam click. À savoir que quand dans la gouttière, en fait, là on va voir le bloc de redstone qui va se déplacer. Le fait de pouvoir cloner uniquement cette partie-là. C'est-à-dire que là, c'est uniquement la partie qui va dire je te supprime le bloc de redstone, je te place le bloc de redstone. Et ça, c'est toujours les mêmes blocs qui font toute la longueur. Et les coordonnées sont juste positionnées ici. Ce qui fait que cette ligne de coordonnées n'est jamais changée, n'est jamais dupliquée, puisque vous voyez qu'ici, elle n'y est pas.
Hein, même dans le rouge, il n'y est pas. Et c'est vraiment que cette partie-là qui est copiée. Ce qui fait que là, quand je vais avoir la porte qui va être en train de s'ouvrir, donc les blocs de redstone vont se placer un bloc en avant. Donc ça, c'est pour l'ouverture. Par contre, pour la fermeture, je vais lui demander de placer le bloc un bloc en arrière, donc avec le moins. Et c'est pour ça qu'en cours d'ouverture, si je me mets à dupliquer cette ligne-là à la place de la ligne verte ici, ça va complètement changer en fait l'ordre d'apparition des blocs de redstone. Ce qui fait que, en fait, ça va changer, plutôt que de voir la continuité du bloc de redstone qui se duplique dans le sens, à partir du moment où je change le sens, et donc que ça fait ça clone en fait les commandes d'apparition de blocs de redstone en fermeture ici, plutôt qu'il continue d'avancer le bloc de redstone et de se faire dupliquer par là, paf, à partir du moment où j'ai changé, il va revenir dans l'autre sens. Et quel que soit le moment, ce qui fait que, en fait, il va tout le temps se mettre aux mêmes coordonnées qu'il est actuellement. C'est-à-dire que quand il s'arrête là, qu'on change, et s'il revient en arrière, le bloc de redstone, forcément, on revient aux coordonnées d'avant, et ainsi de suite. Et c'est pour ça que là, j'ai mis vraiment ces systèmes de coordonnées qui est vachement intéressant pour ça. Voilà, j'espère que c'était clair. C'est pas facile à dire. Sinon, je pense vous avoir tout dit. Parce que ce système de gouttière-là est pas mal. Ici, là, je m'amuse à gérer le son dans ces petits créneaux. Donc, j'ai pas mis tout le temps du son parce qu'en fait, à chaque fois, en fait, j'utilise. Là, c'est quand le joueur monte à une échelle, ça fait ce bruit-là. Et le fait de le dupliquer. Donc, si j'en mettais trop, en fait, ça aurait fait un bruit parasite énorme. Alors que là, le faire sur un bloc sur deux d'apparition, parce qu'il y a toujours le bloc de redstone qui passe. Hein, donc, dès qu'il passe, il active le son. Donc, c'est comme ça que je gère le système de son. Donc, forcément, je le mets pas à chaque fois ce système de son puisque ici, on a la herse. Donc il y a ces deux blocs-là. Ici on a la porte, donc ça sert à rien de le mettre sur les deux, donc je l'ai mis que sur celui-là. Et là le pont-levis qui gère ces quatre gouttières. Le son ne figure que sur celle du haut, puisque ça sert à rien d'en mettre partout, hein. Le son, on a besoin de le jouer qu'une seule fois. Et donc du coup là on va passer pour l'explication des command blocks qui sont ici et qui vont nous permettre de gérer donc du coup la correspondance entre les interactions de la chauve-souris qui nous sert de bouton. Et l'animation des armor stands qui est ici. Donc forcément, il faut un lien entre les deux, et c'est ces command blocks-là qui le gèrent. Donc trois ensembles de command blocks, en toute logique, puisque ici, on a l'ensemble qui va gérer la grande porte en bois. Là, on a l'ensemble de command blocks qui va gérer la herse. Et là, celui qui va gérer, du coup, le pont-levis. Cet ensemble de command blocks-là est plus grand, puisque de façon logique, comme je vous ai montré tout à l'heure, le pont-levis comporte 4 gouttières d'animation, contrairement aux autres qui n'en ont que 2. Donc forcément, c'est un peu plus long, et c'est tout à fait logique. De notre côté, donc je vais vous en expliquer un seul, puisqu'en fait c'est toujours la même logique de réglage, que ce soit celui-ci ou celui-là. Donc on va se mettre sur celui qui gère la herse. Donc, on a une petite ligne de redstone block classique, hein, c'est une petite cloque que tout le monde connaît, donc à chaque fois je fais apparaître un bloc, je le fais disparaître, enfin, je le remplace par un autre bloc. Et ici, donc j'ai mis plein de panneaux pour m'aider moi et vous aussi, pour mieux comprendre comment ça se passe. Donc là, sur les deux premiers, on a un scoreboard que j'ai créé, que j'ai appelé Holding Item, qui va nous permettre de savoir si quand on est en train de taper la chauve-souris, donc à savoir si on veut actionner l'ouverture ou la fermeture des portes, à savoir si on a un objet en main ou pas. Donc comme je vous ai montré tout à l'heure, hein, si on a une épée, ça marche pas, et quel que soit le bloc, hein, je vous ai montré avec une épée, mais quel que soit le bloc. À partir du moment où on n'a pas la main vide, ça ne marche pas. Et donc ça marche de façon très simple. Donc comme je peux vous montrer ici, donc tous les blocs, oui, parce que là je vois l'exécute, en fait tous les command blocks de cette ligne de clock vont avoir toujours cette sécurité pour vérifier que on est bien en train de gérer l'ouverture là de la herse sans fer. Donc là je fais au travers de la chauve-souris. Hein. Et donc ici on va changer le scoreboard de toutes les personnes qui sont à 5 blocs en fait de la chauve-souris en question. Puisque 5 blocs, c'est la distance à laquelle on pourra taper
la chauve-souris. Au-delà, on est hors de portée, on pourra pas la taper. Donc, si on veut activer le bouton, autant se mettre sur les mêmes coordonnées. Donc, j'ai mis dans le rayon de 5 blocs. Et là, je vais passer le holding, le scoreboard ultime item de toutes ces gens qui vont taper la chauve-souris dans un rayon de 5 à 1. Et en tenant compte ici de ce petit data en plus qui nous permettent, donc ça c'est dans Minecraft de base, hein, c'est pas un scoreboard que j'ai créé, c'est le fait de savoir si le joueur a actuellement en main un objet quel qu'il soit. Donc pour le côté c'est en main, c'est vraiment le côté selected, hein, donc c'est celui-ci, c'est pas n'importe lequel, c'est celui où j'ai la sélection qui est faite. Et donc là, entre les accolades, on est censé avoir un ID égal machin chouette. Quand si on veut un bloc en particulier, si j'aurais voulu l'Iron Sword, j'aurais mis ID Iron Sword machin. Dans l'occurrence, moi, je m'en fiche de savoir quel objet on a en main, donc je mets rien. À partir du moment où je mets rien, lui en conclut que je vais mettre le scoreboard à 1 à partir du moment où tu as un objet en main, quel qu'il soit. Donc si tu as un objet en main, ça veut dire que je vais faire ce changement, il n'y a pas de problème. Tu as un objet en main, tu seras holding item égal à 1. Parce qu'en fait, on peut pas savoir, on peut pas lui dire s'il n'a pas d'objet en main. Par contre, on est capable de lui dire s'il en a un en main. Ce qui fait que, en fait, je suis capable de savoir ça, donc je lui dis, bah ok, tu as n'importe quel objet en main, tu seras égal à 1. Et donc à partir de là, moi je peux tout à fait te dire que si tu as en l'occurrence, donc du coup je remets au début, si avec toujours la même condition, si on est dans un rayon de 5 autour de la chauve-souris qui gère l'ars enfer, vous voyez toujours le rayon de 5, donc à proximité de ça, on est constamment, le holding item est constamment remis à 0 si on constate que il n'a pas un quelconque objet en main. Donc en fait, ton celui-là va tourner en boucle tout le temps, 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 si on n'a pas d'objet en main. Mais il va tourner en boucle uniquement dans un rayon de 5 autour de la chauve-souris. Donc cette apparition de commande-là est pas non plus néfaste, parce qu'on va pas passer 15 ans à rester devant cette porte-là. Donc une fois qu'elle est ouverte, c'est terminé. Et par contre, là maintenant, on sait qu'on n'a strictement aucun objet en main. Donc voilà pour ces deux commandes blocs-là qui gèrent ça. Et ici, en fait, on va passer avec des blocs qui sont tout le temps similaires. Donc ces deux-là, en fait, c'est les mêmes. C'est ce qui va nous permettre d'inverser l'animation de la. Bah, je vais appeler ça la tête de lecture, en fait, le bloc de redstone qui se déplace. Ça va nous permettre d'inverser le sens de tête de lecture. Et donc, comme on peut le voir, ça va copier tous les commandes blocs. Donc l'ensemble de blocs. Donc là, en l'occurrence, c'est pour faire l'inverse de l'ouverture. Donc sous-entendu, quand on inverse l'ouverture, on fait la fermeture. Donc ici, on va copier les blocs rouges à la place des blocs verts, sachant que la tête de lecture est déjà en cours. Donc c'est pour ça que ce bloc-là est vraiment dans le sens du reverse en fait, et pas dans le sens de l'initialisation. Et je le positionne d'ailleurs avant l'initialisation dans l'ordre de lecture pour gérer ce côté. Ce côté reverse, parce que sinon l'initialisation prendrait le dessus sur le reverse. C'est pour ça qu'à chaque fois les reverse arrivent avant l'initialisation. Donc là, on a ce côté-là pour la grille, et là on a la même chose. Donc j'ai copié le même truc, sauf qu'ici j'ai bien précisé que ça c'était pour le treuil. Donc là c'est tout con, hein, c'est juste un clone, hein, avec les mêmes conditions, toujours on vérifie que c'est bien la chauve-souris. Là on a la vérification qu'on est en train de donner des dommages en tant que joueur dans un rayon de 5 et qu'on n'a pas d'objet en main. Donc ça, ce sera une vérification qui sera tout le temps aussi dès qu'on fait une action sur la chauve-souris. Et à ce moment-là, on dit à l'armor stand qui a sur sa tête le bloc de Earth en fer et qu'il est actuellement en train. On a géré un système d'animation en fait qui va me permettre de savoir à quel stade de lecture on est, parce que c'est plus facile pour moi du coup à ce moment-là. Donc là, on sait que quand on est en cours de lecture, l'animation est égale à 2. Quand elle attend de façon ouverte, c'est égal à 0. Quand on appuie sur le bouton pour l'ouvrir,
c'est égal à 1. Quand elle est en train de s'ouvrir, c'est égal à 2. Quand elle a fini de s'ouvrir et qu'elle attend qu'on clique, c'est égal à 3. Quand on clique pour la refermer, c'est égal à 4. Quand elle est en train de se refermer, c'est égal à 5. Et quand elle a fini de se refermer, elle revient égale à 0. Donc c'est juste un cycle. C'est toujours bien de connaître ce cycle-là pour justement faire en sorte que les command blocks ne s'activent pas tous en même temps. Et donc là, en l'occurrence, vu que celui-là, c'est un reverse, le reverse ne peut s'opérer que si la tête de lecture est en train d'ouvrir la porte. Donc, à savoir si l'animation est égale à 2, strictement égale à 2. C'est pour ça que là, j'ai mis au moins égale à 2 et au plus égale à 2. Sous-entendu, 2 quoi qu'il arrive. Et donc ça, ce sera à chaque étape, hein. J'espère que j'ai été assez clair. Et tout bêtement, là, on fait juste un clone, en fait. On va copier tout l'ensemble des blocs rouges à la place actuellement des blocs verts qui jalonnent la tête de lecture. Donc, à savoir ici, actuellement, on a des blocs verts. Et bien, nous, on va mettre des blocs rouges pour que ça inverse la tête de lecture. Donc là, on a la même chose pour le treuil. Pas de problème, ces deux-là, ils fonctionnent ensemble. Après, ici, on passe sur le fait justement de... Ici, on voit qu'on est au stade de l'animation 1, où on est prêt à ouvrir en fait l'ARS. Donc on attend le clic pour ouvrir. Donc là, c'est juste... On est au stade 0, puisque la porte est ouverte, il se passe rien. Mais si, encore une fois, c'est ici que ça se passe, si le joueur donne des dommages à la chauve-souris, sachant qu'il n'a aucun objet en main et qu'il est dans un rayon de 5 autour de la chauve-souris, alors le scoreboard de l'armor stand, parce qu'on, oui, on peut donner des scoreboards aux armor stand, hein, c'est des entités comme les autres, donc on peut leur donner des scoreboards, et ça du coup je m'en sers. Le scoreboard qui gère l'AR sans fer et qui est actuellement au stade je suis ouvert et j'attends, va passer au stade on vient d'appuyer sur moi. Voilà, donc là je change, on vient d'appuyer sur moi. Ce qui fait que si on vient d'appuyer sur moi, c'est ici que ça va se passer. On vérifie que, voilà, ici, on est au stade, on vient d'appuyer sur moi, au maximum, voire au moins j'étais à zéro avant. Enfin, dans tous les cas, la porte est ouverte et attend de se fermer. Et à ce moment-là, on va copier encore une fois les blocs d'ouverture. Donc là, cette fois-ci, ce sera les blocs verts, au niveau de la tête de lecture. Et donc ça, c'est à chaque fois ce que ça va se passer. Ici, on va copier pareil les blocs de la tête, ce sera les mêmes conditions, sauf que là, c'est pour le treuil. Et ici, dans la foulée, on n'a plus qu'à, une fois que tout est copié, hein, parce que là, on vient de positionner les indications de tête de lecture, il n'y a plus qu'à positionner le premier bloc de redstone, donc qui sera au bout là-bas, ou quand on doit fermer au bout là-bas. Donc là, on le place pour la grille et là pour le treuil. Voilà, c'est bien marqué. Et ici, on en arrive au fait que là, on attendait pour ouvrir, hein, on attendait un clic pour ouvrir. Ici, on va mettre l'animation égale à 2 quand on sait que c'est en train d'être ouvert, hein, donc c'est les mêmes conditions. À l'issue, là, ben, on est égal à 2. Le fait qu'elle passe à 3, en fait, c'est quand elle arrive au bout de la gouttière, on a des command blocks à chaque fois qui disent de ce côté, ce sera si le bloc de redstone touche le dernier bloc là-bas, ça voudra faire passer l'animation, en fait, le scoreboard d'animation à 3. Et là, à l'inverse, quand on ferme, il y a un autre command block au bout. Et quand il est touché par le bloc de redstone, passe le scoreboard d'animation à 0. En fait. Et donc c'est pour ça que si on change en cours de route la tête de lecture à tout moment, quand on attend la fin de l'animation, quoi qu'il arrive, on sait à quel stade on revient. Donc c'est pour ça que là, on verra pas le stade remis égal à 0 ou remis égal à 5, puisqu'ils sont au bout des gouttières à chaque fois sur tous les ensembles de command blocks. Et donc là, on a fait toutes les animations d'ouverture, et bien en toute logique derrière, on fait les animations de fermeture. Donc on va copier les blocs pour fermer. Là aussi, avec le treuil. On attend le clic pour fermer. Donc on met l'animation à 4. On place, une fois vu qu'on a placé déjà nos command blocks, on n'a plus qu'à placer les deux blocs de redstone pour gérer la tête de lecture. Et là, comme au tout début, ici, avant l'ouverture, on avait le reverse. Et donc ici, après la fermeture, on a le reverse qui, quand l'animation est en train de se fermer, si on fait
un clic, ça va faire un reverse de fermeture, donc une ouverture. Et là, on a la dernière animation qui va nous, enfin, le changement d'animation qui nous dit, quand on est en train de fermer la porte, je suis égal à 5. Pas de problème là-dessus. Et à la toute fin, on va remettre la valeur de dommage du joueur, hein, donc avec toujours les mêmes conditions, s'il est en train de donner des dégâts, s'il a plus de 1 de dégâts donnés à la chauve-souris, sachant qu'il est dans un rayon de 5 autour d'elle, et ben on va le repasser à 0, puisque nous on veut uniquement savoir à partir du moment où il a donné un dégât. Donc si on repasse à 0 et qu'il retape, on sait qu'il va passer au-dessus de 0, et donc c'est plus facile à savoir. Et ça on le met à la toute fin, puisque comme ça on a eu le temps de gérer toutes les interactions et on repasse à 0 avant de revérifier du coup s'il est en train de taper ou pas sur la chauve-souris. Et voilà comment fonctionne cet ensemble de command blocks. Et c'est la même chose partout. Là c'est. On a juste en fait changé au lieu que ça copie les ensembles de commandes ici et là, en fait ça va les copier sur les autres gouttières et avec les autres noms. Au lieu que ce soit destiné à la chauve-souris qui gère l'ouverture de la herse, là c'est la chauve-souris qui gère l'ouverture de la porte. Et le nom en fait de l'armor stand qui a le scoreboard ouverture d'animation. Au lieu que ce soit ici celui de la herse, ici ce sera l'armor stand de la porte et là ce sera l'armor stand du pont-levis. Et voilà, ça tous ces petits blocs-là en fait c'est les blocs d'apparition que je me suis gardé en tant que bibliothèque pour faire apparaître les blocs. Si j'appuie, voilà, vous voyez ici je peux avoir le petit trail. Juste comme ça, je les ai à proximité. Donc là, en plus, vous voyez bien l'armor stand, comment il est positionné. On voit bien qu'il a la tête penchée en train de regarder le sol et qu'il n'y a plus qu'à lui tourner la tête tout le temps. Voilà, donc là, c'est toute notre petite bibliothèque de blocs. Et là, c'est les ensembles de blocs qui vont être clonés pour obstruer le passage quand la porte est fermée. Là, on voit bien, hein, la porte est fermée. La porte est ouverte, donc il y a tout sauf la porte. Là, la porte est ouverte à l'état au bout, en fait, hein, quand la porte est entièrement ouverte. Et là, quand la porte est en train de s'ouvrir. Là, on a la herse, hein, qui est la même que soit en haut ou en bas, donc c'est le même modèle. Et là, on a le pont-levis ouvert, fermé. Et c'est des ensembles, en fait, que je vais cloner derrière. Qui sont, voilà. Et donc, c'est ce qui va nous permettre de se retrouver bloqué ici. Et bien voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère avoir été suffisamment clair et puis de vous avoir montré des petits trucs sympas, notamment avec ici, là, ce que j'adore, voilà, c'est ça, c'est... Non, non, j'ouvre, je vois pas, j'ouvre. Enfin, toujours est-il que je vous encourage à poster des petits commentaires hein, pour me dire ce que vous en avez pensé et à laisser un petit pouce bleu, parce que ça m'aidera à gagner en visibilité. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine fois, pour un épisode cette fois-ci de construction, puisque là on avait un épisode dédié au command block. Et du coup, je vous dis à la prochaine. Allez, à plus les gens. Ciao, ciao!